Le plus dur, c'est vraiment la fin et le début du pont. Ouais. C'est 2-5-2-5 là. Les 2-5, ouais. Les turnaround en fait. Tu veux le refaire encore? Ouais. Écoute, tu travailles ça par rapport, je veux dire, tu travailles par système, tu travailles par la qualité des accords. Il y a, quand tu réfléchis tonalement, quand tu y as les 2-5-1 par exemple sur le pont, il y a quand tu réfléchis modalement. Ouais. Mais modal, tu peux faire des triades, c'est ouvert à tout en fait. Mmh. Ce qui est triade, mode, différents modes. Tu peux aussi faire différentes. Pour changer la couleur. Tu peux changer la couleur, tu D'accord. peux aussi changer. Tu peux faire une trame harmonique, tu peux faire une autre trame, mm-hmm. mais tout en revenant après, tu retombes dans le contexte. Alors, par exemple, celui que j'utilise souvent, c'est le. Tu sais, sur les accords de dominant. Ouais. Par exemple, sur le 2-5-1 en si mineur, en la bémol pour le sax alto, et bah, sur le mi bémol, je vais vraiment penser le triton, donc. Sur le mi bémol qui est avant le dominant, donc mi mineur ou la 7. Ou alors plutôt l'arpège de do dièse mineur, do dièse mineur bémol 5. Tu vois, par exemple. Il y a des systèmes comme ça que j'ai souvent sur pas mal d'accords. D'accord. Et après, après des arpèges. Les accords sur les accords sur les tonalités mineures mélodiques. Et puis après, les exercices de bebop là. Et encore la mineur 6 là avec la 7ème, la corde sensible correspondant. Donc là, c'est fa dièse 6 mineur 6 et fa diminué. Il y a des trucs comme ça. Après, sur les triades, tu vois. Sur le domineur, ça va être ça. Sur les accords dominantes, altérées. Ouais, après sur les accords mineurs, je peux faire aussi la gamme augmentée. Mmh.
Que tu peux rendre plus puissant, tu peux jouer un ton au-dessus. Moi j'aime bien, tu peux faire des accords substitution, par exemple le Si, Si majeur, Si 7 sur Do, sur le premier accord. Tu peux penser les accords après, d'autres accords, des successions d'accords. Hein. Mm-hmm. Et même partons, c'est avec les accords majeurs. Enfin, il y a plein de trucs différents. Hein. J'ai noté un peu plus ou moins tout ça dans un bouquin, mais tu vois, ça fait vraiment beaucoup de choses, quoi. Bah oui. Bien sûr. Mais ce qu'il faut, c'est toujours être, c'est toujours penser mélodique et puis après ça, l'appliquer, il faut que ça sorte d'une manière très musicale, ouais. Que ce soit pas planifié, quoi. Mmh.